Assalamu alaikum, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Khadija Ihsan, journaliste à Média TV. Et également, j'ai le plaisir de modérer cette table ronde des MEDEIS sous le signe du partenariat Afrique-Union européenne, à la lumière ou peut-être à l'ombre de la guerre en Ukraine. Donc, histoire de contextualiser, avant de commencer par présenter mes panélistes distingués, février dernier, la capitale européenne accueillait le sommet Union européenne-Union africaine. Les deux parties ont exprimé leur volonté de donner une nouvelle dynamique au partenariat avec, ou en tout cas ce qu'on appelle Europe-Afrique, avec une enveloppe d'investissement conséquente, 150 milliards d'euros, ainsi que d'autres commitments, ainsi que d'autres engagements, notamment vaccinaux. Mais voilà, quelques semaines plus tard, après justement ce sommet, la guerre en Ukraine a commencé. La guerre est aux portes de l'Europe. Du coup, via l'Europe, a d'autres priorités aujourd'hui, et notamment pour contrer les impacts directs et indirects de cette guerre en Ukraine. L'inflation a atteint des sommets et des niveaux historiquement hauts, et les gouvernements tentent tant bien que mal, non seulement de juguler cette inflation, mais aussi de diversifier leurs sources de ressources naturelles. Du coup, c'est évident, une évidence peut-être géographique, mais aussi historique, l'Afrique est aujourd'hui cette nouvelle issue pour répondre aux besoins énergétiques, en l'occurrence, de l'Europe. Cela dit, pour que ce partenariat soit de plus en plus efficient et surtout win-win, eh bien, il faut aller au-delà du prisme de la coopération ou de ce qui a défini cette coopération entre les deux rives de la Méditerranée et lui donner une nouvelle dynamique qui soit vraiment sous la forme de réels partenariats et de réelles coopérations. Il y a bien sûr des prérequis pour atteindre ce potentiel de partenariat Afrique-Europe, notamment avec un espace, cette guerre en Ukraine, qui est partie pour durer. Alors, beaucoup de questions sont relatives à cette problématique, ou j'ai envie de dire plus pas problématique, peut-être solution. C'est ce que nous allons discuter avec les panélistes que j'introduis sans plus attendre. À ma gauche, son Excellence Monsieur André Flahault, ministre d'État de Belgique. Il est également membre de la Chambre des représentants et ancien président de la Chambre des représentants et aussi ancien ministre du budget, service civil et de la simplification de l'administration pour la communauté française. Qui va se joindre, il est là, son Excellence Cyril Svoboda, former Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Czech Republic. He's a lawyer, politician and diplomat. His Excellency Miro Kovac, former Croatian Minister for Foreign and European Affairs, Republic of Croatia. Mr. Kovac is known as Croatian politician, historian, and diplomat, who for some time held the position of Minister of Foreign Affairs of the Republic. Maître Elio Sanchez, député au Cap-Vert, membre du Parlement panafricain, également avocat et juriste, basé aux États-Unis, à Washington. Monsieur Kader Abdelrahim, professeur à Sciences Po et également directeur de recherche à l'IPSE. Monsieur Abdelrahman Chabib, directeur exécutif de l'Italian Diplomatic Academy. Emmanuel Dupuis, président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, l'IPSE. Monsieur Ugo Trambali, senior advisor at ISPI, d'Italie. Il est senior advisor en charge de l'Institut India Desk et aussi confrère et vétéran journaliste également. Monsieur Jawad Kardoudi, président de l'IMRI, de l'Institut marocain des recherches
des relations internationales, pardon, du Maroc. Et aussi Madame Sarah Boukri, former program manager at the United Nations Economic Commission for Africa. Elle est aujourd'hui consultante en relations internationales et elle a également fait des missions pour différentes organisations, notamment en Afrique. Olivier Guita, Managing Director Global Strat, Swiss Confederation, and is the Managing Director, he's also the Managing Director of well, he is considered as one of the top 250 terrorism experts in the world. Aussi, à ma droite, Nabil Adel, enseignant à l'ESCA depuis quelques années maintenant. Donc, il est spécialisé dans la géopolitique et la géoéconomie à cette école marocaine. Également, consultant, advisor économique et géopolitique dans la Chambre des représentants, pour ne citer que cela. Frédéric Hensel, professeur de relations internationales et de politique, de sciences politiques. Je suis en train de faire de la traduction simultanée. Hein. Professeur Yusra Abourabi, assistant professor International University of Rabat, du IR. Et Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute, centre africain pour la paix, pour les études de la paix, de la République du Sénégal. Last but by no means least, professeur Tariq Malki, directeur de l'ISKE Rabat. Et également aussi membre du Centre marocain de conjoncture. Voilà, nous allons commencer, messieurs, dames, après cette présentation, par peut-être dresser un bref diagnostic et aussi peut-être votre définition du partenariat Afrique-Europe selon le prisme de chacun. Je vais commencer, bien sûr, par monsieur André Flao. Alors, aujourd'hui, on parle d'une redéfinition, d'une redynamisation de ce partenariat. Quelle est la vision de l'autre côté, du côté nord de la Méditerranée ? Bien, puisque, bonjour à toutes et à tous, puisque le temps est limité, je vais aussi m'appuyer sur les questions qui étaient posées. Et simplement pour répondre que le potentiel, effectivement, de partenariat entre l'Afrique et l'Europe, c'est un potentiel qui est important, qui est très général. Ensuite, il y a dans la réalisation des objectifs du sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine, pour l'instant, je crois qu'on est nulle part. Parce que finalement, vous l'avez dit dans votre introduction, l'attention des Européens est surtout orientée vers l'Est. Et ma grande crainte, je le dis et je l'ai redit déjà hier, ma grande crainte, c'est que les 150 milliards qui étaient prévus pour le Sud vont glisser vers l'Est. Ça, c'est une inquiétude que les dirigeants africains perçoivent aujourd'hui et leur attitude, notamment à l'ONU, pour laquelle certains voudraient les pénaliser, est certainement justifiée par cette crainte que l'Europe ne pourra pas honorer les promesses qui ont été faites. En fait, il y a aussi quels sont les secteurs pour prioriser les réussites du partenariat. Je crois que tous les secteurs sont à privilégier, sans oublier le secteur privé, le secteur primaire, l'agriculture, l'horticulture, l'eau, l'environnement, c'est fondamental, comme d'ailleurs aussi la préoccupation qu'il faut avoir sur la gestion et le retraitement des déchets. C'est le grand échec sur l'Afrique, mais en d'autres pays aussi, il y a vraiment beaucoup à faire. Les outils diplomatiques et institutionnels, il faut sans doute que l'Afrique se structure d'une façon multilatérale, plus ferme, plus déterminée, parce que, comme d'ailleurs en Europe, parce que là aussi, aujourd'hui, je parlais avec un de mes voisins tout à l'heure en attendant l'entrée dans ce panel, aujourd'hui l'Europe, et notamment l'Europe de la défense, elle vient d'être tuée par l'OTAN, et j'ai été moi-même ministre de la défense pendant 8 ans et demi. J'ai été ministre lorsque nous avons osé, à quelques-uns, avec la France, avec l'Allemagne, avec le Luxembourg, refuser la participation à la guerre en Irak. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que finalement, quand on voit les catastrophes que ces guerres ont notées, que ce soit en Afghanistan, que ce soit avec les opérations en Libye, que ce soit en d'autres, même le Mali, parce qu'il faut aussi parler de ça, ces échecs successifs que l'on constate, c'est simplement dû à la désorganisation de l'Europe, mais aussi à ce comportement de l'Europe et des Occidentaux, des gens du Nord, de vouloir absolument imposer le modèle aux pays africains. Et ensuite,
comment faire pour relancer cela au plan diplomatique? Il faut simplement retrouver une cohérence à la fois au nord et à la fois au sud, retrouver et considérer cet intérêt de l'axe de solidarité nord-sud, sud-nord, qu'il faut effectivement retrouver, renforcer et ne pas se limiter uniquement à la problématique des migrants, parce que là, pour l'instant, l'Europe forteresse n'apportera aucune solution, alors que notre avenir dépend aussi de la jeunesse de l'Europe et de sa force et de sa démographie. Et nous avons effectivement à être surtout partenaires. Et le partenariat, ça impose le respect mutuel. Ça rejette toute forme de colonisation ou de néocolonisation. Ça refuse toute forme de paternalisme, refuse aussi la condescendance quelquefois dont nous faisons, nous les gens du Nord, preuve à l'égard des peuples africains. Repartir de la base, faire du bon bilatéral, faire en sorte que l'on puisse s'inspirer. J'ai visité le Tanger Med ce matin. Il y a effectivement beaucoup de choses à tirer de là, y compris pour le Nord, mais aussi au Sud. Et je crois que sans transposer les modèles, on pourra, sur base du respect et du bilatéralisme fort, faire du multilatéralisme qui aura une perspective d'avenir. Voilà ce que je voulais dire, parce que refaire l'histoire, ça ne sert à rien. Il faut surtout regarder avec l'Afrique vers le futur et tourner la page définitivement de notre histoire coloniale qui a été catastrophique et qui, sur le plan humain, est inacceptable. Et on ne peut pas accepter, par exemple, que des dirigeants britanniques vendent des migrants ou revendent des migrants au Rwanda, comme on ne peut pas accepter non plus que l'on paye la Turquie pour garder des migrants derrière des frontières de barbelés. Et là, je crois qu'on ne peut pas oublier non plus les conflits qui sont en train d'être oubliés. Israël, Palestine, ce qui se passe dans l'est du Congo aujourd'hui. Et malheureusement, je ne vois personne de la République démocratique du Congo autour de cette table parce qu'ils auraient sans doute beaucoup de choses à nous apprendre sur la réalité et aussi la façon dont ils sont traités, notamment par l'Organisation des Nations Unies qui devrait être revue dans sa composition puisque les Africains ne sont pas autour de la table. Or, c'est un continent d'avenir et je crois fermement que c'est le continent d'avenir. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Flau. Merci. Nous avons quelques Africains autour de la table, heureusement, hein, mais avant justement d'avoir ce prisme aussi du côté africain, je pense que le diagnostic a été sans appel et aussi, surtout, très franc de votre part, Monsieur Flau. Comment ? C'est comme ça que je me sens bien. Oui, mais ça se sentait aussi hein, à vos paroles. Cyril Svoboda, je vous passe la parole pour justement commenter ce diagnostic du partenariat Afrique-Europe yes. avec la guerre en Ukraine. Thank you so much. Okay. You know, today we in Europe we believe that the war in Ukraine is the most important issue. We believe today we have experience with the war in Ukraine, and many people, and mainly the politicians, they perceive the war as the main problem of the world. And we have the commitment not to lose the capacity of understanding the problems, the other problems. And in my view, I do agree what has been said, that the gap and the problem between the rich north and relatively poor south is very important, and it is a common destiny. I do understand that it is a very sensitive question because it is a question of money, question of will, and we are now witness of some, in my view, bad decision, for example, to withdraw the military presence from Mali, for example. So, and replacing European democratic countries in Africa by the other powers, mainly Russia and China. And it is a common responsibility for Europe not to lose the interest to be in Africa, to be partner, and to be helpful. At the same time, there is a political commitment of the
African countries not to perceive European countries like the former colonial powers, but to accept the countries like Belgium, France, UK, as the countries who could help. Because the war in Ukraine is a good example that the technology which is now in the hands of the Europeans and the Americans is prevailing dramatically over the technology of the Russia, for example. So it may be slightly different case is China. So, and in this momentum, so we are at a very decisive time. Many politicians in Europe believe that the main problem is Ukraine and war in Ukraine in Europe. And they are losing the interest in being cooperative in Africa. And at the same time, some other powers are taking the window of opportunity to be in Africa, replacing the European countries. So I am going to be very short, and I am just trying to encourage everyone to be capable of being more generous and readiness to be cooperative, not only according to the action plan between EU and Africa. This is the paper, so there are many, many tasks and many goals, but I'm speaking about the real political will. Yes, thank you. And we will maybe finish this roundtable with some recommendations, because at the end of the day, this is why we are all gathered here. And maybe you started, you and Mr. Flau, by giving some of recommendations from your stance. I'll proceed with Mr. Pardon. Je vais enchaîner avec le ministre, ancien ministre des Affaires étrangères de la Croatie, Miro Kovac. Merci beaucoup. Bien sûr, la guerre de la Russie contre l'Ukraine est logiquement quelque chose qui nous préoccupe en Europe, parce que ce conflit se déroule en Europe, sur notre continent. Donc, c'est logique. Hein? Donc, il faut pas être dupe. Mais en même temps, il faut aussi dire que les capacités de gestion de l'Europe, de l'Union européenne, sont assez développées, et il y a une stratégie de l'Union européenne quand il s'agit de l'Afrique. Cette stratégie repose sur 5 partenariats. Il y a le partenariat vert énergétique, il y a le partenariat numérique, il y a le partenariat pour la croissance et le travail, le partenariat pour la gouvernance et la paix, le partenariat sur la migration et la mobilité. Donc il y a plein de choses. Et bien sûr qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des différences. Il y a des pays comme la Belgique, M. Flau est là, qui ont des liens particulièrement intenses avec l'Afrique, la France aussi, on le sait, la Grande-Bretagne, ancien membre de l'Union européenne, l'Espagne, le Portugal. Mais il y a des pays comme la Croatie qui n'ont pas cette spécificité de lien avec l'Union européenne. Mais nous sommes tous, comme diraient nos amis américains, committed de travailler avec l'Afrique. Et là, je dirais que nous, Européens, on devrait le faire sans complexe. Hein. J'ai l'impression qu'on a trop de complexes. On parle de la Russie, de la Chine, des États-Unis. Ben, c'est très bien. Je souhaite que nos amis d'Amérique, de Russie, de Chine, travaillent avec l'Afrique. C'est bien, mais il faut regarder les chiffres. On avait, quand j'étais ministre, on avait un premier ministre, un croate, qui avait grandi au Canada. Il disait toujours, show me the numbers. Hein? Je veux voir les chiffres. Les chiffres disent quoi? Chine, Afrique, investissement, 30 milliards d'euros. Hein? Les États-Unis, l'Afrique, 42 milliards d'euros. Les pays de l'Union européenne, l'Afrique, investissement, 222 milliards d'euros. Les chiffres disent tout. Donc, je veux dire que nous sommes là, nous sommes présents, nonobstant le conflit de la Russie, de la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. On adhère à notre politique de coopération avec l'Afrique, et on voit aussi à l'intérieur de l'Afrique comment ça change. Le Maroc, par exemple, prenez le Maroc, il y a 30 ans,
J'ai vu Monsieur Vedrine, l'ancien ministre de France, qui m'a dit, tu sais, il y a 20 ans, il n'y avait pratiquement rien entre l'aéroport de Tanger et la ville. Aujourd'hui, hein, il y a des zones franches, on travaille, il y a la faculté de médecine, il y a l'hôpital, il y a plein de choses. Donc, les choses changent en Afrique et l'Union européenne va coopérer avec l'Afrique parce que c'est aussi dans notre intérêt. Et pour terminer, je vais juste mentionner l'histoire de l'énergie, de la transition énergétique. Donc l'hydrogène, par exemple, l'hydrogène, ici au Maroc, on a conclu il y a quelques jours un accord avec, de base avec le Maroc sur l'hydrogène. C'est important parce que dans 30, 40, 50 ans, on va compter sur l'hydrogène pour assurer notre indépendance énergétique, peut-être en Europe, mais aussi en Afrique. Merci, Choukran. Choukran. Merci, M. Kovacs. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment des avis assez, peut-être pas contradictoires, mais en tout cas différents, venant de la même rive de la Méditerranée, donc la rive nord de la Méditerranée. Je vais enchaîner. Là, maintenant, on va avoir ce partenariat d'Afrique-Europe sous le prisme africain. Le Cap Vert est représenté par Maître Elio Sanchez, donc député, mais également juriste international. La parole est à vous, Maître Sanchez. Merci. Je commence par remercier l'Institut Amadeus pour l'invitation qu'elle m'a fait l'honneur pour être ici, au Maroc, un pays que je connais et que j'aime beaucoup, un pays où j'ai fait mes études. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi de revenir à ce grand pays, le Royaume du Maroc. Pour parler du cadre de la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine, il faut dire que ce cadre de coopération a évolué. On a passé d'un cadre de coopération basé sur l'aide au développement pour un cadre de coopération win-win, un partenariat, disons. Mais la question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir si les deux partenaires, effectivement, respectent les engagements qu'ils ont pris et ce cadre de coopération doit continuer tel qu'elle est ou s'il faut changer. Donc, on pose la question, si peut-on parler d'une coopération win-win entre ces deux grandes communautés, si aujourd'hui l'Union africaine, pour faire fonctionner ses institutions, il a besoin de l'aide financière de son partenaire, qui est l'Union européenne. Première question. Deuxième question qu'on pose, c'est de savoir si l'Union européenne respecte effectivement son engagement en tant que partenaire, l'engagement qu'il a pris, surtout au cours des sommets Union africaine, Union européenne, pour résoudre, par exemple, les problèmes de l'industrialisation de l'Afrique, de l'emploi pour les jeunes, les problèmes de la migration, les problèmes de la santé, de l'éducation, etc., auxquels le continent africain fait face. Rappelons que au sommet d'Abidjan de 2017, un sommet qui était entre, qui a précédé le sommet des chefs d'État et du gouvernement, sommet entre le Parlement panafricain et le Parlement européen. Moi, j'étais même membre du Parlement panafricain, j'ai eu l'honneur d'être là-bas. Il y a les deux parlements ont fait ce qu'on appelle l'appel, si vous me permettez, l'appel d'Abidjan. L'appel d'Abidjan demandait solennellement le continent africain, l'Europe, d'aider l'Afrique sur les multiples problèmes qu'elle a, surtout les problèmes de la jeunesse, de l'égalité des femmes, d'immigration, de paix et sécurité, de l'électrification de notre continent, les problèmes de l'infrastructure, du diaspora africain,
comment la diaspora peut contribuer pour le développement du continent africain, l'investissement, la bonne gouvernance, le respect pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, il faut faire un bilan, 3 ans après, et demander est-ce que ces problèmes ont été résolus ou ils continuent. Il est clair que ces problèmes continuent. Pour terminer, rapidement. Les Africains doivent aussi se demander s'ils sont en mesure de faire un partenariat win-win avec l'Europe, avec tant de problèmes que l'Afrique affronte aujourd'hui. Notamment le problème de la sécurité, okay. Le problème du respect du droit de l'homme, de la bonne gouvernance. Et on continuera par la suite. Merci. On continuera certainement avec les recommandations, Maître Sanchez. Après justement cette rétrospective, j'ai envie peut-être de la définir comme politique par des représentants politiques, on enchaîne avec la lecture, cette fois, de chercheurs et de professeurs. Je vais commencer par Kader Abdelrahim, professeur à Sciences Po. Professeur Abdelrahim, la parole est à vous. Vous avez le temps que vous avez. Je disais, je peux prendre mon temps. Merci Khadija. Bonjour à tous. Pas du tout. L'intitulé du panel, c'est quel nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne, quel nouveau momentum. On est dans une déflagration que nous n'avons pas connue depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on sait que de cette guerre va émerger un nouvel ordre international. Et ce que l'on voit à l'œuvre, ce sont pour le moment plutôt des stratégies individuelles, pas régionales ni collectives, pour tenter, comme on dit dans les milieux de la presse, de présenter son meilleur profil. Et par conséquent, dans la mesure où il n'y a pas de stratégie ni régionale, ni collective, ni continentale, alors l'Afrique, par exemple, puisque c'est ça qui nous intéresse cet après-midi, ne pourra pas, encore une fois, parvenir à tirer son épingle du jeu, pour parler crûment, sans qu'elle-même ne fasse son aggiornamento en termes diplomatiques afin de sortir de ses propres contradictions. Je prends 2 exemples. En Afrique, il y a une région au nord de l'Afrique qu'on appelle le Maghreb. Je préfère utiliser cette dénomination plutôt que de parler de l'Afrique du Nord. Le Maghreb n'est pas intégré au sens ni politique et évidemment encore moins économique ou commercial. On est dans des stratégies individuelles. L'Algérie a une stratégie ou un projet, enfin on pourrait s'interroger. Le Maroc a un projet qu'il met en œuvre depuis une quinzaine d'années. La Tunisie connaît une instabilité institutionnelle depuis au moins 3 ans. La Libye n'est toujours pas parvenue à sortir de son chaos, donc elle est hors jeu. Au-delà de cela, au-delà du Maghreb, je n'oublie pas la Mauritanie, qui n'est pas un pays qui a eu, en tout cas, à mettre en œuvre un projet avec une influence diplomatique. Par conséquent, qu'est-ce qui reste ? Le Sahara et le Sahel, qui sont aujourd'hui à la fois contestés, disputés, qui font l'objet de crispations, de tensions diplomatiques, notamment entre le Maroc et l'Algérie, et qui sont aujourd'hui la principale base du développement de la propagation du terrorisme sur le continent africain. Par conséquent, les problèmes qui ont été accumulés n'ont pas été réglés depuis au moins un demi-siècle et nous sommes aujourd'hui dans un momentum, pour reprendre l'intitulé du panel, qui nous met face à un risque plus grand encore avec la guerre en Ukraine, qui est celui d'une déflagration des États, d'une déflagration au sens institutionnel. Qu'est-ce qui va émerger de cette guerre ? Quel nouvel ordre international
allons-nous devoir, peut-être pas pour moi, qui commence à être un peu vieux, mais pour nos enfants qui vont vivre avec cette nouvelle réalité, qu'est-ce qui va permettre à l'Afrique, je n'ai pas de réponse, Khadija, je suis très conscient de cela, qu'est-ce qui va permettre à l'Afrique éventuellement de pouvoir jouer un rôle afin, même pas de viser, mais en tout cas d'entrevoir son développement. Merci. Merci Gader. Je pense que vous aurez le temps de penser à une réponse sur le deuxième round de cette table ronde. Je vais enchaîner avec, toujours hein, dans l'académique, avec Abdelrahman Chabib de l'Italian Diplomatic Academy. Merci Khadija. Je veux partir de point qu'a souligné mon prédécesseur. Il s'agit effectivement d'un moment épocal dans le contexte géopolitique. Je pense que pour la première fois, on a l'opportunité, donc il y a l'opportunité pour l'Europe et l'Afrique, de pouvoir effectivement mettre à zéro l'héritage culturel qu'on a eu pour les dernières décennies et de, effectivement, à travers une prisme différente de partenaires, d'égal, et de construire un projet basé sur une nécessité commune. La nécessité, effectivement, aujourd'hui, qui est impérative, c'est la capacité énergétique autour de ce qui est le contexte actuel. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est une opportunité unique si seulement elle a la capacité de dessiner une capacité entre les leaders africains de pouvoir déterminer une vision commune avec une politique étrangère commune basée sur des projets concrets. Il a l'opportunité aujourd'hui de pouvoir déclencher un procès qui sera bien évidemment irréversible, de créer un troisième pôle de pouvoir. J'explique mieux. Aujourd'hui, on a l'opportunité soit de parcourir effectivement les enjeux classiques et traditionnels d'une période de crise et avec les alignements classiques d'une doctrine ou l'autre, ou tout simplement redéfinir ce qui est la priorité dans l'agenda africain et de ses leaders politiques pour en tracer et en tirer effectivement une vision spécifique qui est tailor-made pour les pays africains. Donc, une capacité de bâtir un progrès en commun sur des projets concrets. Je voudrais citer en exemple le gazoduc Nigérie-Maroc. Je pense que ça représente effectivement, et pour similarité, l'opportunité que l'Union européenne a eue avec les accords entre la France et l'Allemagne à l'époque, avec les minières de charbon et des aciers. Donc c'est un projet concret qui effectivement satisfait la nécessité de l'Afrique de se positionner au niveau géopolitique, mais également de pouvoir se présenter autour de la table avec l'Europe en tant que partenaire stratégique et non basé sur les anciennes et traditionnelles discours d'aide à le développement ou de coopération nord-sud avec l'objectif d'aider à grandir. Donc l'Europe aujourd'hui, dans l'Europe aujourd'hui, repose la responsabilité de doter son partenaire, le nouveau partenaire de Sud, avec les outils et les ressources nécessaires pour faire face à les challenges de demain. Merci. Merci. Merci, Monsieur Chabib. Vous êtes le seul qui a respecté le timing. Hein. Merci. Emmanuel Dupuis, président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci, Khadija. Je vous donne la main. Je vais être obligé de respecter, du coup, maintenant, le timing. Merci pour votre admonestation et votre rappel. Moi, je serais très complémentaire par rapport à ce qui a été dit, mais en même temps, j'aimerais dépasser les six questions qui ont été posées en évoquant deux questions qui, me semblent, auraient mérité d'être posées. Premièrement, qu'est-ce qui n'a pas été fait dans le rapport entre l'Union européenne et l'Union africaine ? Petit rappel, hein, ce qui s'est passé à Bruxelles n'est pas le premier sommet de l'Union européenne, mais le sixième, et que jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Et donc, d'une certaine manière, nous devons aussi balayer devant nos propres portes, si vous m'autorisez l'expression. Deuxièmement, et j'aurai trois questions préalables pour essayer d'avancer dans notre réflexion, est-ce que finalement la situation en Ukraine bloque ou libère cette relation qui, par ailleurs, institutionnellement, n'a pas trouvé sa cohérence, car jusqu'à présent, nous n'avons pas une structure dédiée à la coopération eurafricaine. On évoque ce partenariat, on évoque la nécessité de l'ancrer. Je suis très content que Mme Ursula von der Leyen ait consacré ou décidé de consacrer 300 milliards d'euros à un nouveau projet prospectif, nos routes de la soie, et que la moitié soit dédiée à l'Afrique. Mais je n'ai pas vraiment de clarté précise, ou en tout cas de précision sur la manière dont ça va être fait. Puis,
il faut aussi avoir à l'esprit que nous parlons d'une Europe qui est en évolution, 27 aujourd'hui. L'Europe de demain ne sera pas l'Europe d'aujourd'hui. Il se peut, si l'on prend le temps long de l'adhésion, que l'Europe de 27 soit demain l'Europe des 37. Je me tourne vers nos amis des Balkans. Je souhaite qu'un certain nombre de pays des Balkans qui ne sont pas dans l'Union européenne puissent évidemment s'associer, s'arrimer à ce projet. L'Union africaine restera à 54, en tout cas je le souhaite, mais évidemment la zone de libre-échange continentale africaine va doper au moins de 1000 milliards de dollars la capacité financière du continent africain. Troisième élément de réflexion qui me permet d'en apporter une quatrième et qui d'une certaine façon met en perspective notre réflexion. Le momentum est-il un momentum vertueux ou plutôt le constat? Et voyez, il y a une vraie cohérence avec mon chercheur favori, Kader, qui m'oblige à dire que, alors que nous parlons d'un momentum, nous oublions que la maison brûle et que toutes les instances internationales que nous nous sommes données, il y a 77 ans à San Francisco, il y a 75 ans à Washington, l'OTAN, l'Union, bien sûr l'ONU, vous l'aurez deviné précédemment, bientôt 50 ans en juillet prochain avec l'OSCE, tous les systèmes de prévention, de résolution et d'une certaine façon de médiation, de facilitation ont tous échoué. Et donc tout est à reconstruire. De ce côté-ci, si j'ose m'exprimer ainsi, de la Méditerranée, ou de l'autre côté de l'Atlantique, alors que d'autres organisations internationales sont en train d'émerger de manière concurrentielle. Le G7 est de plus en plus concurrencé par l'Organisation de coopération de Shanghai, les 9 de Shanghai, qui capitalisent davantage de PIB. Le G20, qui va se tenir d'ici quelques temps à Bali, montre à quel point le monde de l'émergence se trouve de nouvelles centralités décisionnelles, organisationnelles, pour ne pas dire remettant en cause, 77 ans après sa création, l'ONU. Bref, un système international qui est révélé par cette crise en Ukraine, mais qui en même temps ne peut pas se résumer à, évidemment, penser que tout va se régler à travers un cessez-le-feu, mais j'en laisse un peu sous le coude pour vous faire quelques propositions plus tard. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel Dupuis. En effet, la réorganisation d'organisations internationales, cela a été évoqué dans beaucoup de panels, mais cela a été aussi évoqué depuis plus de deux décennies, à commencer par l'ONU. Hugo Trambali, Senior Advisor de l'ISPI. Il faut partager le micro un instant. On est dans le partage, hein, donc c'est dans l'esprit aujourd'hui. Thank you, Khadija. Well, as we all know, March 17, the 17 African countries voted against. Yes. Sorry. Can abstain. You just get closer to the mic? Yeah, closer, sure. Abstain from the vote at the United Nations General Assembly. 6 were absent. 1 was against, and so it made a lot of sensation, if you wish. And we forgot that 28 countries voted in favor, against the Russian invasions, and the African Union also voted against, condemned the invasion. But yes, we have some problems between Europe and Africa, and I believe there are several reasons why. The colonial past, not an ancient history after all. I mean, in 1984, at the Berlin Conference, 80% of Africa was free. 30 years later, 90% was controlled, occupied by the Europeans. So the history meant something. The support of Soviet Union gave several liberation movements. The COVID pandemic, in which African countries were left begging a selfish Europe for vaccines and medicines. The Russian disinformation, of course. All this contributed to explain why it is difficult for Europe and US to build an Africa coalition against Russia. But I wonder why, actually. In my opinion, the main reason is that the perception of the war of Africa is that Ukrainian is a European war. Of course, we know that there has been a lot of consequences for it in terms of economies, in terms of food, in terms of an economical point of view. It has been a complicated and very large war. But in essence, in the geopolitical issue, that it is perceived as, and it is, a battle between the imperial ambitions of Russia against NATO. By the way,
28 out of 30 members of NATO are European. So why should the African enlisted, the Africans should be enlisted in a distant war in a snowy and very cold Europe? It's hubristic for us to think about this. Africa and in general the rest of the global south are no longer willing to simply fall into line between when pushed by the great powers, Europe, US, or China, or Russia. Because the world is changing already, is changing very fast. And we are not anymore in the Cold War. In the Cold War, we got rigid alliance. You either will stay with the United States or with Soviet Union. That was, or was it? You didn't have a third chance, a third choice, a third possibility, because the non-allied movement didn't exist, didn't have any political power. Now, I would say the Africa and the rest of Southeast are free to make to have a sort of partnership on demand. Take the example of India. Which is an important example, in my opinion, with Russia for the energy, with U.S. and Japan to contain China on the high, on the Himalayas hills, with China on the trade. So India is able to have a lot of friends, a few foes, and non-allied. And it's an increasing country, a developing country. A country is going to have an important political and economic takeoff. Thank you. Thank you. Thank you, Hugo. Maintenant, je donnerai la parole au professeur Kerdoudi, président de l'Institut marocain des relations internationales. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour moi, le partenariat Europe-Afrique, d'abord, est tout à fait naturel. D'abord sur le plan historique, puisque l'Afrique a été colonisée par les Européens, et ça a des conséquences même maintenant. Également géographique, du fait de la proximité. Il n'y a que 14 kilomètres entre le Maroc et l'Espagne, d'où le problème d'ailleurs très douloureux de l'immigration clandestine. Il y a aussi des raisons géopolitiques dans la mesure où l'Afrique est le continent convoité par toutes les grandes puissances, que ce soit la Chine, les États-Unis, bien sûr, la Russie, l'Europe. Et pourquoi ce partenariat s'est construit petit à petit ? C'est parce qu'il y a quand même une complémentarité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au nord, à l'Europe, nous avons le know-how. Et dans le sud, en Afrique, on a une population jeune et nombreuse, beaucoup de matières premières, d'où cet intérêt entre les deux continents. Maintenant, ce qui m'a surpris, lorsqu'il y a eu la guerre d'Ukraine, c'est que la moitié des pays africains, en tout cas pour la résolution du 2 mars 2022 de l'Assemblée générale de l'ONU, la moitié des pays africains n'ont pas condamné la Russie et donc n'ont pas suivi l'Europe. Et pour moi, ça dénote un déclin de l'Occident. Il faut expliquer ça. Si ça s'était passé il y a 20 ans ou 30 ans, ça ne se passerait pas comme ça. Tout le monde aurait voté pour l'Europe. Il y a actuellement un déclin de l'Occident avec l'émergence d'un nouvel ordre mondial qui sera beaucoup plus multipolaire. On aura bien sûr les États-Unis, la Chine, les pays émergents. Donc ça sera beaucoup plus multipolaire et d'ailleurs beaucoup plus difficile à gérer. Et pour terminer, c'est les relations spéciales du Maroc avec l'Union européenne. Vous savez que le premier accord commercial a été signé en 1969, c'est-à-dire très rapidement après l'indépendance.
et puis il y a eu l'accord de coopération, l'accord d'association, et enfin en 2008, le statut spécial. Et également cette politique africaine du Maroc qui peut jouer un rôle également dans le partenariat Europe-Afrique. Merci. Merci, professeur Kerdoudi. Je ne suis pas présidente, hein. je suis que la modeste modératrice. Effectivement, puisque vous avez évoqué le rôle du Maroc, on va certainement y revenir à la fin dans le round des recommandations. Vous avez évoqué la problématique de l'immigration clandestine. Il se trouve que vous avez une spécialiste à votre gauche, Sarah Boukri. La parole est à vous. Merci, chère Khadija. Alors, depuis tout à l'heure, mes copanélistes, je pense, ont fait le tour sur les relations Afrique-Europe. Moi, j'ai envie, en fait, d'amener un petit éclairage sur comment est perçue la guerre Russie-Ukraine par les pays africains. Alors, premièrement, cette guerre a révélé la fracture existante entre l'Europe et l'Afrique, sans rentrer dans les détails des causes de cette fracture, qui peuvent être sociétales, politiques, économiques, etc. Mais pour moi, cette guerre et les prises de position des pays africains ont marqué quand même la rupture avec une ère. L'Afrique ne suit plus. Donc le premier vote, il y a beaucoup de pays africains qui se sont abstenus. Beaucoup de pays ont même été remarqués par leur absence, et c'est une prise de position aussi. Lors du deuxième vote, beaucoup de pays, des pays africains qui se sont prononcés contre ou qui se sont abstenus ont voté pour. Certains analystes ont vu en cela un changement de cap. Moi, je vois autre chose, puisque le premier vote était un vote politique. Donc, il s'agissait de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais le deuxième vote était plutôt un vote de principe, puisqu'il s'agissait de voter pour la protection d'un principe des Nations Unies, qui est celui de la protection de l'intégrité territoriale des pays. Donc, un pays comme le Maroc, qui était absent lors du vote, du premier vote, lors du deuxième vote, a voté pour, puisque chaque pays s'est senti, comme s'il votait pour sa propre intégrité territoriale. Donc, deuxièmement, je pense que cette guerre a mis au grand jour la fragilité de l'Europe, qui est aujourd'hui confrontée à une crise énergétique, à une crise économique. Et donc, cette image d'une Europe forte a été ébranlée. Et l'opinion publique africaine a bien vu que finalement, le système économique et institutionnel européen et de défense européen n'était pas si fort que ça. Le Premier ministre italien avait ironisé en disant qu'il s'agissait de faire un choix entre la paix et l'air conditionné. 80% du charbon, 40% du gaz naturel, 40% du pétrole sont importés de Russie. Troisièmement, et là j'aborde un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet de la migration. Tous les pays africains et la jeunesse africaine a bien noté comment les immigrés réfugiés ukrainiens ont été traités. Des financements ont été débloqués, des mesures réglementaires sont apparues, on ne savait même pas qu'elles existaient. Et comment sont traités, paradoxalement, les migrants africains quand ils frappent à la porte de l'Europe. Ils ont noté cet humanisme à géométrie variable, malheureusement, et ça, croyez-moi, ça marque, et ça a plus d'impact sur la jeunesse et sur l'opinion publique africaine que les Européens ne peuvent le penser. Tout cela nous pousse quelque part à nous interroger sur la relation France-Afrique. Et je rejoins le président du Sénégal, Macky Sall, lorsqu'il a dit qu'il ne s'agit pas de mettre à jour le logiciel de relations, mais qu'il s'agit d'installer un nouveau logiciel. Merci. Merci beaucoup. Olivier Guita, manager Bakary. Applaudissements très dynamiques. Olivier Guita, Managing Director Global Strat. Donc là,
on reste sur cet aspect de diagnostic et de bilan de ce partenariat. Good afternoon. Thanks, Khadija. What I will do is get the bad stuff out of the way in my first intervention and speak more positively about the second one and focus on some of the negative points that have been creeping up since the war started in Ukraine. Because between friends, it's important to not push all the bad things that have happened since Ukraine and the incomprehension on many topics between Europe and Africa to push it under the rug. So I'll be the one saying what has gone wrong since Ukraine, and on the second part, I'll be the one saying there are plenty of good things that have happened and that need to be fostered. So my colleagues have mentioned what happened at the UN. There's a big incomprehension on both sides of the Mediterranean about what happened and how the Europeans do not understand why Africa, most of Africa, as mentioned, voted for or neutral vis-à-vis Russia in the first vote. And the Africans are not understanding why the Europeans are not understanding. What we have now that is, I think, more problematic is the case of Wagner, for instance. Wagner, the private military company of Russia, Putin's puppet show, is viewed, and rightly so, by the European Union and the US as a terrorist organization. Many members of Wagner are sanctioned by the EU, but despite that, Wagner is running the show in a couple of countries in Africa. And this is extremely problematic when you look at terrorism, but also at civilian casualties and what could happen. So that, you know, Wagner has been in Libya for a long while, but it's in Mali, it's in the Sudan, it's in the Central African Republic, and it's coming to Burkina Faso. This is a big rift between the two continents. If you have a terrorist organization that is running basically the security and the army of certain African countries, this will not pass. This has to be an issue that they will sit down together and look at it. The third point that is that's happening and that's criticizing the Europeans is on the example of climate. We've recently had a big conference on climate in the Netherlands, and rightly so, the African Union president Macky Sall mentioned that if African presidents and prime ministers could come all the way to Europe, why was there almost no European country being represented at that conference? And that sends the wrong signal to our African friends. So the blame is on both sides, but I would say that in prediction to what I will look at, security, energy, and climate are three things that could actually put Europe and Africa on the same side, and we should focus on that, and I'll tell you more later on. Thank you. Thank you, Olivier. À présent, place à Nabil Adel, enseignant à l'ESCA. À vous. Merci Khadija. Dans la continuité de ce qui a été dit, il faut rappeler que des relations entre l'Europe et l'Afrique, historiquement, ont toujours été placées sous le signe de Scramble for Africa. Cette ruée vers l'Afrique qui a eu lieu entre 1885 et 1914, où en 30 ans, on est passé de 80% de l'Afrique qui était libre à 90% qui était occupée. Et depuis, on ne voyait en l'Afrique, malheureusement, pour de constater ça, qu'un réservoir de matières premières et cheap labor. Et ce cheap labor devenait souvent... Competitive labor, mais bon, on va appeler les choses par leur nom. Alors ce cheap labor devenait de temps en temps un problème quand il s'agit de stopper les vagues migratoires. Et donc quand il y avait un dialogue entre l'Europe et l'Afrique, c'était toujours dans un seul sens. Quand on arrivait aux réunions, c'était au top de l'agenda de la réunion, ce qui intéressait l'Europe,
Et dès qu'on commence à parler de ce qui intéresse l'Afrique, tiens, comme par hasard, le temps est écoulé et on passe à autre chose. Aujourd'hui, l'Europe est l'une des zones économiques les plus intégrées au monde. Et elle est tellement intégrée qu'elle s'est bunkérisée. Et donc, du coup, elle ne regarde plus ce qui se passe en dehors de ses frontières ou voit ce qui se passe en dehors de ses frontières comme source de problème. Quand on voit les discussions que peuvent avoir les pays européens avec les pays africains, on ne pense à l'Afrique qu'au moment des crises. L'Afrique est montée au devant de la scène en 2008, à l'occasion de la crise, et c'est là où on a commencé à dégager ses réflexes de nouvelles ruées vers l'Afrique. Là, vraiment, c'est devenu un continent de toutes les promesses qui faisait des croissances positives contre le reste de la planète, faisait des croissances négatives. Maintenant, 2022, avec l'invasion d'Ukraine, l'Afrique revient au centre des discussions parce que c'est un réservoir de matières premières et de richesses et un réservoir de jeunesse qui comble les déficiences démographiques de l'Europe. L'Europe est très pragmatique. Aujourd'hui, on voit dans ce discours européen la volonté de faire de l'Afrique ce bridge entre deux périodes. Alors maintenant, nous avons deux scénarios d'évolution. Soit cette guerre va durer, et là, l'Europe va continuer à creuser ce qui peut être fait avec l'Afrique. Soit cette guerre va être courte, et auquel cas, l'Europe va reprendre ses vieux réflexes d'intégration en son sein et va oublier l'Afrique jusqu'à la prochaine crise. Et merci. Merci, Nabila Adel. Et j'aimerais bien que vous répondiez aussi à ces questions, peut-être avec des recommandations au dernier round. Je vais enchaîner tout de suite en donnant la parole à Frédéric Hensel. Il n'est pas là. Alors, Yusra Abourabi. Merci beaucoup, Khadija Hersen, pour l'excellente modération. Comme toujours, très agréable. Alors, je vais essayer de rebondir un peu sur ce que tout le monde a déjà dit. On a beaucoup parlé d'opportunité, l'Ukraine comme opportunité. Personnellement, je vois pas ça comme une opportunité qui va d'un coup changer le cours des choses, mais plutôt comme un moment pour réfléchir à, effectivement, ça a été souligné plusieurs fois, notamment par Sarah Boukri, cette reconfiguration des représentations. Plus qu'une reconfiguration des rapports de force, une reconfiguration des représentations, c'est-à-dire de revoir l'image que l'on a de l'Union européenne comme une Europe qui a réussi, qui continue de réussir à résoudre ses propres crises, y compris les questions de crise de sécurité, et donc à re-questionner sa capacité à le faire en Afrique. On le critique souvent, mais aussi à re-questionner cela. Alors pourquoi est-ce que ce serait un moment, pourquoi la crise ukrainienne en particulier ? Parce qu'on voit justement cette limite et parce que actuellement ce partenariat Afrique-Europe est inégal. Tout à l'heure, quelques intervenants ont parlé de la question de la présence de l'Europe en Afrique par rapport à l'Asie, par rapport à l'Amérique. On est encore loin de discuter de la présence africaine en Europe par rapport à l'Asie ou par rapport à l'Amérique latine. On n'en est absolument pas là. Et d'autant plus que, d'autres l'ont souligné, les financements qui font l'intégration aujourd'hui à l'Union africaine et dans d'autres institutions dédiées à l'intégration africaine viennent en partie de l'Union européenne, viennent en partie de bailleurs extérieurs. Donc effectivement, comme l'a dit le professeur Kader, comme l'a dit Sarah Boukri, l'un des objectifs, c'est d'assurer cette autonomie et d'assurer cette capacité d'action internationale ou ce qu'on appelle plus généralement en anglais « the African agency ». Donc l'autonomie interne et la capacité d'action. Et pour cela, j'ai un certain nombre de recommandations que je garderai pour le deuxième tour. Merci. Merci beaucoup, Yusra. Et du coup, parce que vous avez largement respecté le timing, vous aurez plus de temps pour les recommandations et ce n'est pas plus mal. Alors, je peux aussi rajouter une autre chose. L'autre contexte, ce n'est pas simplement le fait que des financements arrivent de l'extérieur dans le cadre de l'intégration africaine, ouais, mais c'est aussi que cette crise montre d'autant plus notre vulnérabilité aux facteurs extérieurs, notamment en termes de sécurité alimentaire, sur le cours du blé et d'autres exemples. Il y en a énormément, on n'a pas le temps de tous les détailler. Et donc, l'autonomie revient
à limiter cette dépendance. C'est le moment aussi de re-réfléchir aux moyens de limiter cette dépendance aux facteurs de vulnérabilité qui sont extérieurs à l'Afrique. Merci, Ousra. Bakary Samb du Timbuktu Institute. Merci beaucoup. Je remercie encore Amadouz pour cette invitation et nos frères et sœurs marocains pour leur hospitalité. Je viens du Sahel et je me permettrai bien d'en donner la température par rapport à cette grande problématique. Cela fait des décennies que nous disions à nos partenaires européens que la force d'une chaîne, c'est souvent celle du maillon le plus faible. Et bien voilà qu'avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que l'Afrique redécouvre l'Europe, qui redécouvre le sens du mot interdépendance. L'Europe semble, en ce moment-là, se rappeler que nous sommes dans une perspective de sécurité collective. Alors que 10 ans avant, même pas 5 ans, le G5 Sahel courait derrière entre 300 et 500 millions d'euros pour assurer la sécurité et il n'y avait pas les fonds disponibles. Et qu'en un après-midi, les jeunes sahéliens qui me parlent ont vu qu'on a débloqué des milliards pour l'Ukraine. Ce qui fait qu'en Afrique, il y a un terme qui est à la mode, qui est la hiérarchie des guerres. Et je ne pense pas que l'Afrique en soit en se disant où est-ce qu'on va. Non, on redécouvre la force de l'Afrique. C'est-à-dire que plus que jamais, dans le contexte de cette guerre en Ukraine, on se rend compte que le basculement stratégique du continent africain peut changer la structure des rapports de force internationaux. C'est pour cela d'ailleurs qu'on nous demande de voter. C'est pour cela qu'on nous demande de nous aligner. Alors que nous étions dans une autre logique, peut-être de non-alignement ou de réorganisation, la Covid est passée par là pour nous apprendre qu'il faudrait qu'on compte sur la coopération sud-sud. J'en ai parlé hier avec le rôle du Maroc pendant la Covid, et le Sénégal avec la présidence de l'Union africaine, qui devient une forme de réalité géopolitique. Eh bien, parlant du Sahel, qui est beaucoup plus proche de moi, aujourd'hui, où en est l'Europe? Si je donnais une métaphore, je dirais qu'au Sahel, il y avait une locomotive européenne qui a des problèmes actuellement. La locomotive n'a pas déraillé, mais a des problèmes. Et il y a plein de wagons européens en déshérence et qui se cherchent. En ce moment crucial où la priorité est actuellement en Ukraine, il y a une redéfinition de ces relations-là. Et je crois qu'aujourd'hui, on est retourné à case départ où on a raté l'européanisation de la coopération sécuritaire avec Takuba qui n'a pas fonctionné. L'Allemagne de Merkel essayait de dégager des pistes, mais elle n'est plus là. Et d'autres pays comme l'Italie et d'autres se prononcent, jouant sur leur crédit qu'ils ont eu sur le Sahel avec Prodi, etc. Donc l'Europe se réinterroge. Et je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu pour l'Europe, c'est de regagner la confiance en Afrique. On l'a vu tout à l'heure, Madame Boukri en a parlé. On a redécouvert avec la crise ukrainienne, nous en Afrique, que l'immigration n'était pas un problème. C'est de la solidarité. Il y avait un humanisme européen que l'on redécouvrait. On a redécouvert pendant cette crise ukrainienne que nous sommes interdépendants, que nos votes étaient importants, que nous n'étions pas les pays marginalisés à côté des 5 les plus puissants qui avaient le veto. Et on a parlé du multilatéralisme. Là où j'en termine, c'est que on dirait que face à cela, l'Europe essaye de revenir avec une nouvelle trouvaille. Cette nouvelle trouvaille, c'est peut-être la démocratie et l'état de droit. Ah bon, on en avait parlé. On en avait parlé depuis la Bolle, en 90. Mais après, on a découvert que cette Europe, qui nous avait parlé de démocratie et d'état de droit, se comportait autrement, différemment des valeurs qui nous reliaient. Merci, Bakary. Et aujourd'hui, j'en finis, dernière phrase. Et aujourd'hui, l'enjeu pour l'Europe, ce n'est pas seulement un enjeu de redéfinition des rapports, mais c'est un enjeu de recrédibilisation du discours occidental sur la démocratie et la liberté en Afrique. Merci. Merci. Je cède la parole à Tariq El Malki à présent. Merci, Khadija, de
de m'avoir permis de participer à ce panel que je considère d'une importance stratégique, les relations, le futur des relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Donc, pour être un peu dans la complémentarité avec les différents collègues, bien sûr, je partagerai le premier constat qui est que l'Afrique, qui a jadis été le berceau de l'humanité, a malheureusement été en retrait, pour ne pas dire effacé complètement, de l'histoire récente du développement dans le monde. Une mauvaise intégration régionale, une mauvaise intégration, pas ou peu d'intégration industrielle, donc au niveau des entreprises africaines, au niveau des chaînes de valeur mondiales. Peu ou pas de participation, malheureusement, donc à la mise en place de l'ordre international, tous les grands enjeux géostratégiques. Et tout ça, c'est bien évidemment pour des raisons internes à l'Afrique, mais pour reprendre les idées de certains collègues, beaucoup dû aussi au paternalisme, pour ne pas dire plus, de la politique européenne, donc vis-à-vis de l'Afrique ces 50 dernières années. Ceci dit, l'Afrique, c'est là où je voulais en venir, à mon sens, écrira l'histoire de demain. Le futur du monde se dessinera en grande partie en Afrique, car celle-ci a un certain nombre d'atouts stratégiques extrêmement importants. On a parlé de l'abondance des richesses naturelles, minérales, minières, énergétiques. L'Afrique, c'est 10% des réserves mondiales de pétrole. C'est la moitié des terres cultivables arables dans le monde. Donc, avec tout ce que ça implique comme attractivité donc, au niveau des IDE. Pour peu, justement, et on en parlera au niveau donc, du partenariat stratégique Union européenne-Afrique, qu'un certain nombre d'éléments de mise à niveau des structures économiques de l'Afrique, ce que j'appellerais la transformation structurelle de l'Afrique, soit faite. Deuxièmement, potentiel de croissance. Il faut savoir que l'Afrique, avant la crise de la Covid, réalisait les taux de croissance les plus élevés du monde, qui faisaient pâlir d'envie nos amis européens notamment. On était sur des trends de 5%, et selon la plupart des économistes, les foyers de croissance dans les années à venir se situeront en Afrique des taux de croissance de l'ordre de 6 à 8%, bien sûr avec des inégalités entre pays. On considère que le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Sénégal sont véritablement les viviers de croissance de demain. Deuxième élément, les éléments démographiques et des dynamiques sociétales qui sont en cours à travers notamment une croissance démographique galopante et la capacité pour l'Afrique d'utiliser l'aubaine démographique avec une jeunesse. Demain, on considère que 20% de la population africaine sera constituée de sa jeunesse, population qui a entre 15 et 24 ans. Avec tout ce que ça implique également comme urbanisation, donc il y a des changements sociétaux, l'urbanisation croissante de la population, l'émergence d'une classe moyenne qui demain constituera pour 40% de la population africaine d'ici 2030, ce qui créera notamment des potentialités de consommation de l'ordre de 7 milliards. L'intégration régionale, qui est également donc un élément extrêmement déterminant pour le développement économique de l'Afrique, à travers notamment la mise en place de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, qui est donc une zone de libre-échange qui intégrerait les 54 pays donc, africains, dont bien évidemment le Maroc, avec tout ce que ça implique comme dynamique à l'export, comme capacité d'attirer les investissements, comme meilleure intégration donc, des entreprises africaines dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Et tout ça, donc, c'est documenté donc, à travers donc, un certain nombre d'études d'impact qui montrent que cette intégration régionale aura un impact positif sur la croissance, sur l'investissement et sur les échanges. Nous avons également le potentiel à l'innovation, puisque selon là aussi un certain nombre de classements internationaux, l'Afrique est l'une des régions dans le monde où la capacité d'innovation est la plus importante, ce qui entraîne également donc des pratiques managériales et entrepreneuriales Merci. Nouvelles. Et enfin, là, tout ce qui est lié aux perspectives sectorielles, l'agriculture, donc j'en ai parlé, à travers donc la capacité donc de moderniser, de mettre en place une véritable industrie agroalimentaire, les infrastructures et le commerce. Et pour terminer, je dirais que le Maroc, dans cette, dynamique partenariale, jouera un rôle fondamental dans la mise en place de ce partenariat merci. Stratégique merci. Gagnant-gagnant. Merci, Simaki. Vous avez largement débordé. Merci. On peut l'applaudir. Merci. Alors, après ce constat et, diagnostic chiffré de Tarek Malki,
Je vais juste revenir avec les mots saillants qui sont ressortis du premier round. Et je peux dire que le diagnostic n'est pas très encourageant. Néocolonialisme, incapacité, complexe, problématique, problème, déflagration, enjeux classiques, structure à revoir, réorganisation des organisations, passé colonial, colonisation encore une fois, déclin, fracture, rupture, incompréhension, bunkérisation, bunkériser, reconfiguration, limite, hiérarchie des guerres, basculement, déshérence, mauvaise intégration, multidimensionnelle, mise à niveau, enfin en tout cas bref, un constat assez sombre. Je vais à présent passer aux recommandations. J'espère qu'elles seront plus concises et surtout plus positives et optimistes. Je commencerai par vous, Monsieur Flao. Vous avez ouvert le bal. Oui, j'ai ouvert le bal, effectivement. Mais tout d'abord, il y a quelqu'un qui est intervenu tout à l'heure en disant « Est-ce que la guerre en Ukraine bloque les processus ?» Je crois que la réponse est oui. La question de savoir quand on arrêtera la guerre en Ukraine, la réponse pourrait être de dire quand les États-Unis décideront d'arrêter cette guerre en Ukraine. C'est à ce moment-là que les choses s'arrêteront, parce qu'aussi longtemps qu'on suit le mouvement, on est en guerre. En Europe, on ne prononce pas le mot. Mais c'est difficile à expliquer à notre opinion publique qu'on fournit des armes et qu'on n'est pas en guerre. Il y aura des répercussions incontestablement. Puis il y a les autres conflits qu'il ne faut pas oublier et que la communauté internationale devrait bien s'occuper. J'ai redit et je le redis et je le redis partout. Israël, Palestine, on tue des gens chaque jour, au quotidien, là aussi, dans l'est du Congo et dans d'autres continents aussi. Alors, une recommandation. Tout d'abord, je crois que ce sont des relations humaines qui doivent se créer. On a cité beaucoup de chiffres. On a cité beaucoup de marchés, de perspectives, de richesses nouvelles, de potentialités. Mais d'abord, il faut revenir à des relations humaines basées sur le respect mutuel. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un technicien, je suis simplement politique. Et je vois d'abord que c'est la gestion de la chose publique qui est intéressante, mais aussi ça part dans l'intérêt des populations avant les intérêts économiques et financiers. Hier, on disait qu'on a été plus rapide à réagir à la crise financière de 2008 qu'aux crises qui se sont posées par la suite. Quant à savoir pourquoi les pays africains se sont abstenus, je crois qu'ils ont eu raison de s'abstenir. Et la différence d'attitude entre les deux tours aux Nations Unies, il y a eu des visites qui ont eu lieu, notamment celle de M. Blinken et de M. Lavrov dans les pays africains, pour essayer de changer les attitudes. Ça aussi, c'était le langage, voire le chantage économique qui était à la clé pour déterminer les attitudes des pays africains. Alors, comment avancer? D'abord, je crois qu'il faut une volonté honnête et sincère de s'engager dans un partenariat de longue durée et pas au coup par coup, en fonction des intérêts. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand ça intéresse, on prend, et puis quand ça n'intéresse plus, on jette, comme les mouchoirs en papier que l'on jette à un certain moment. Il faut de longue durée et également équilibré, parce que parler de partenariat, il faut le faire dans le respect mutuel et sans transposer les modèles. Notre problème, c'est ça, au niveau européen. On transpose nos modèles. On transpose nos modèles dans le Sahel, au Mali, etc. Et puis on s'étonne que les gens ne suivent pas ou se rebellent. C'est pas étonnant. On transpose nos modèles en imposant des démarches démocratique, alors que nous avons quelques questions à nous poser sur nos démocraties en Europe. L'Italie, ça pose quand même beaucoup de questions. Les fascistes sont maintenant au pouvoir en Italie. Et ça nous a... Oui, la droite, mais qui se revendique de Mussolini quand même. Et donc, en quelque sorte, il faut d'abord regarder dans notre assiette et brosser devant notre porte et cesser de vouloir imposer des modèles aux pays. On ne construit pas une maison par le toit. Or, quand on s'occupe du Congo, quand on s'occupe d'autres pays africains, on impose des élections libres, transparentes, contrôlées, dans les délais voulus, et quelque part, après, lorsqu'il y a un président, il y a peut-être un parlement, mais le reste, on néglige les communautés locales, on néglige les coutumes, les coutumiers, et finalement, on construit par le toit. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle qui sait me dire comment on construit une maison en commençant par le toit, qu'il lève la main et je le rencontrerai bien volontiers.
L'autre élément, c'est aussi c'est la position adoptée par rapport à la politique de migration. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas établir des relations correctes, respectueuses entre deux continents sans respecter l'humain et sans sortir de notre logique de politique de frontières ou tout simplement de mener une politique de migration sur mesure. On prend ceux qui nous concernent, qui nous intéressent, on fait passer les Ukrainiens avant les autres parce qu'ils sont peut-être blancs et sont peut-être de bonnes convictions religieuses, et on laisse sur le côté toute une série de migrants qui sont à Bruxelles aujourd'hui dans les rues parce qu'on n'a pas d'endroit pour les héberger. C'est aussi là une négation de l'humain et ce n'est pas comme ça qu'on construit des relations. Ensuite, il faudra aussi se poser la question, y a-t-il encore une Europe ? Non, il n'y a plus une Europe. Les élargissements successifs ont fait qu'aujourd'hui, les différents pays européens ont des intérêts différents. Et ces intérêts différents se manifestent parce qu'on vient choisir à un certain moment ce qui intéresse, le moment voulu. Vous voulez qu'on parle des batteries électriques, du lithium ou autre chose ? Non, on prend ce qui intéresse et puis quand ça n'intéresse plus, on part. Et beaucoup de parties de pays européens ont quitté l'Afrique. Alors ils se sont plaints parce que les Russes, les Chinois sont là. Mais c'est nous qui avons quitté à un certain moment. Et quelquefois, comme dans un pays comme le Congo, on a mieux fait de quitter, mais on aurait mieux fait de quitter dans de meilleures conditions que celles dans lesquelles on a quitté. Quant à l'autre élément, y a-t-il une Afrique ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a effectivement, on parle beaucoup de l'Afrique du Nord, mais c'est plus une Afrique proche de l'Europe. Et puis il y a l'Afrique centrale qui est oubliée, et puis il y a l'Afrique du Sud qui se développe, et puis aussi l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Il faut aussi trouver une cohérence pour l'Afrique et aussi revoir les organisations internationales comme l'ONU, parce qu'on ne peut pas continuer à vouloir diriger le monde ou influencer les décisions en ignorant une population aussi importante que celle du continent africain. Voilà, j'étais beaucoup plus long, mais ce n'est pas grave. C'était pour la bonne cause, toujours, n'est-ce pas, des recommandations venant d'hommes politiques. Alors, on a entendu un peu du côté belge. Passons à présent du côté tchèque, de la République tchèque, avec Cyril Svoboda. There is nearly nothing to be added, because everything has been said. I'm repeating again why the integration in Europe is successful. Why? Because the countries were so brave to give up part of their sovereignty in favor of the common interest. And this is the example to be followed even today in the relations with Africa, because so we have on the both sides, we have to understand that there is a common interest. The war in Ukraine is a warning experience, because you know so many very bad and very negative implications are linked with the war in Ukraine, even in Africa. You know it from your personal experience, mainly some countries like Egypt and some other countries that were needed the export of the cereals to Africa. So my recommendation is to be more courageous, because in the time of the proxy wars and cyber attacks, a lot of countries could be aggressive, could be aggressors, and many, many countries could be the victims. And that's why we have to be very strongly motivated to find the will to solve some problems in common, because we have listened to many interventions, and a lot of them, they did represent the particular interests. But we are to be more generous, as has been said by my colleague from Belgium, so to find the real will to cooperate very closely and to change the perception of Europe as a former colonial power. And we have
from the European side to accept the Africa as the continent of a very great potential. So that's my recommendation. Thank you. I have just one question, because there's something like wasn't clear for me. When you were calling for more courage, who should be more courageous, like the Africans, the Europeans, both? One must have more courage than the other. Both, because I know it. I have visited Mali, and I'm closer to the conflict which is now going on Mali, and it is not correct to say that France is right or Assimi Goïta is right. So both sides, they have to overcome some obstacles and to find a way how to maintain the friendly relation, because this is disaster. So France and Europe decided to withdraw the military presence from Mali. So the terrorists, they have enough space for the operations, and Wagner mercenaries, they are not the right partner for solving the security problem in Africa. Thank you. Thank you, Cyril Svoboda. Miro Kovac, let's switch to the Croatian stance toward like some recommendations, please. Merci. Donc, je suis quelqu'un d'optimiste. Je ne suis pas pessimiste par nature. Je ne suis pas quelqu'un qui est imprégné d'une approche d'autoflagellation. Donc, ça ne sert à rien. Je suis réaliste. Il y a des intérêts en Europe, dans l'Union européenne. Il y a des intérêts en Afrique. Ben, il faut travailler sur la base de ces intérêts. Maintenant, on peut se raconter des histoires, ce qui s'est passé au XIXe siècle, la colonisation. Mon pays n'a pas été un pays colonisateur. Ben, ça ne va pas nous aider. Hein, on va se dire, il est gentil, le Miro Kovac, il est de Croatie, mais on veut coopérer, on veut faire du business, on fait quelque chose ensemble. Donc c'est ça l'approche. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble, hein, et pour l'Afrique et pour l'Europe, il faut être optimiste. Hein. Donc l'autoflagellation, ça ne sert à rien. Nous, en Europe, on a des problèmes, hein, il y a des problèmes partout. Aux États-Unis, il y a des problèmes aussi. On ne parle pas, on parle de nous-mêmes. Hein, donc, c'est une sorte de psychoanalyse, auto-psychoanalyse. Hein, donc, vous avez des problèmes, voilà, je sais, il y a des problèmes. Mais juste pour dire, l'Union européenne, c'est, malgré tous les problèmes, c'est une success story. Success story. Et je ne partage pas l'idée que, par exemple, l'Italie, je ne suis pas italien, je suis croate, mais les Italiens, ils ont eu des élections démocratiques. Il y a un nouveau gouvernement, donc on va travailler, voilà. Et la nouvelle chef du gouvernement, Madame Meloni, elle va accepter aussi les règles de Bruxelles. C'est comme ça, parce qu'il y a des contraintes, voilà, il y a des règles, il y a l'euro, il y a Schengen, voilà, accepter. Et nous, il faut être optimiste. Le micro, il faut être réaliste, il faut travailler sur la base d'intérêts qu'on a, et les Africains, et les Européens, et on peut faire des choses ensemble qui sont bien. Voilà, merci. C'était très clair. Merci à vous, Monsieur Kovac. Maître Sanchez, des recommandations, peut-être, du prisme capverdien. Merci. J'ai trois remarques en guise de recommandations à faire. Le premier. Oui. Ah oui, ça va maintenant? Merci. Donc j'ai trois recommandations, si vous voulez, à faire. La première, c'est qu'il me paraît qu'il est nécessaire d'améliorer le mécanisme juridique et politique de mise en œuvre des décisions prises lors des sommets Union européenne-Union africaine. Pour que les décisions puissent se traduire en pratique. Donc, c'est la première recommandation pratique que je fais. Deuxième recommandation, c'est d'ordre politique. Hier, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert, M. Tavares, qui est ici présent, dans un panel que j'ai participé, disait que il faut qu'il y ait
Donc, la confiance politique des Africains en soi-même. Il faut qu'il y ait la volonté politique des Africains pour résoudre les problèmes qui affligent le continent africain, notamment le problème de la migration, le problème de l'emploi pour les jeunes, le problème du droit, de l'état de droit, du respect du droit de l'homme, de la démocratie aussi, sont des éléments, des valeurs clés pour que notre partenaire, l'Union européenne, puisse nous faire confiance et pour que nous puissions être sur les pieds, les mêmes pieds d'égalité lors des négociations. C'est très important. Nous avons des ressources immenses dans notre continent. Notre continent est très convoité. On a parlé de la visite qu'on a faite cette année, le secrétaire d'État Blinken, le ministre des Affaires étrangères de la Chine et aussi des dirigeants européens. Donc, il nous faut, tout dépend de nous. La confiance, la volonté politique dépend de nous pour que nous puissions être en mesure de discuter sur le même pied d'égalité avec l'Union européenne. Merci. Troisième, permettez-moi, oui, troisième remarque, c'est pour dire que mon pays, le Cap-Vert, a un partenariat spécial avec l'Union européenne. En 1975, lorsqu'on a pris notre indépendance, il y a un haut dirigeant européen qui avait dit que le Cap-Vert ne pouvait pas prendre son indépendance parce qu'il ne serait pas un pays viable. Aujourd'hui, le Cap-Vert est un pays de revenus moyens, un pays démocratique. Je termine pour dire que, merci, madame, oui, nous vivons un moment haut avec le Maroc, avec l'ouverture de notre ambassade à Rabat et de notre consulat à Dakar, en reconnaissant effectivement la marocanité du Sahara. Et donc, pour moi, en tant que Capverdien, je suis très content. Merci bien. Franchement, vous avez eu raison de déborder. Hein. En toute objectivité. Bon, alors vraiment, toute objectivité. Là, on vient de m'annoncer que le temps de cette table ronde a été raccourci parce qu'il y a une cérémonie de clôture. Donc vraiment, ce n'est pas discriminatoire de ma part. Vous avez 2 minutes 30 chacun. Je vais vraiment arrêter. Je ne peux pas arrêter les micros, mais voilà. Je vais enchaîner tout de suite avec Kader Abdrahim. 2 minutes. 30, en recommandation. Emmanuel, quand même. Merci, Khadija. Je prendrai juste 30 secondes pour te dire que je vous fais cadeau des 2 minutes. Merci. Non. Faut répondre à la question que tu as posée tout à l'heure. J'attends la réponse. Hein. Je vais être très humble et dire que je n'ai pas de solution à proposer parce que nous sommes dans une situation où on n'est pas le processus n'est pas achevé et on ne sait absolument pas. On voit globalement et d'une manière assez générale ce qu'il va émerger, ce qui va ressortir et comment cet ordre international va se constituer, se composer avec de nouveaux rapports de force et une nouvelle géostratégie, je suis incapable de répondre à cette question. Ça a le mérite d'être honnête et très concis. Merci Kader. Abdelrahman Chabib de Italian Diplomatic Academy. Merci. Alors, recommandations très précises et concises, humilité pour la côté européenne à réviser effectivement la rhétorique de ces discours vis-à-vis l'Afrique, humilité pour les Africains à comprendre qu'effectivement, comme vient de citer Sir Abdelrahim, que le processus de cette vision unitaire de l'Afrique n'est toujours pas achevé et qui comporte beaucoup de défis qui ne sont pas à négliger. Et deuxièmement, assertivité pour les deux parties également, donc assertivité dans le discours, assertivité dans les responsabilités conjointes, assertivité aussi sur ce qui sont les commitments qu'on a vu se répéter pour plusieurs années et
J'ai le devoir, effectivement, de répondre, monsieur le ministre de la Belgique. Et ce que vous appelez aujourd'hui fascisme, c'est la volonté populaire d'un peuple italien qui a été effectivement et démocratiquement élu. Et justement, je veux rappeler aussi l'intervention de monsieur le ministre de la Croatie, comme elle a bien cité. L'action italienne, ça doit impérativement coïncider avec la corniche de la Constitution italienne sous la médiation du président Mattarella et ainsi avec l'unanimité de la volonté européenne des leaders. Merci. C'est comme ça que ça a commencé en 1933, monsieur. Après, c'est la démocratie aussi. Emmanuel Dupuis. Merci, Khadija. Alors, on a beaucoup parlé de l'un vis-à-vis de l'autre. Je voudrais changer de paradigme en disant que l'un et l'autre faisons face aux mêmes défis. Quand je dis l'un et l'autre, c'est le continent européen et le continent africain. Les mêmes externalités, les mêmes dépendances. Nous sommes ultra dépendants, trop dépendants dans notre système d'acquisition énergétique. Mais vous êtes aussi, continent africain, ultra dépendant dans la capacité de production agricole, fertilisants et engrais. Et puis nous sommes tous les trois, enfin pardon, tous les deux, le continent européen et le continent africain, dépendant d'une autre réalité, qui est celle de la dépendance à des acteurs non étatiques, notamment quand on sait que 99,7% des données que nous utilisons, et donc qui font nos politiques, ne dépendent pas des États, mais d'un certain nombre de sociétés extrapolées, ou en tout cas extraterritorialisées. Je donne juste cet exemple. Apple a fait un bénéfice net qui rassemble l'ensemble des bénéfices nets des 6 entreprises d'extraction pétrolière. Donc, d'une certaine manière, sortir de la suzeraineté, sortir d'une vassalité, de ces externalités continentales, nous en avons vis-à-vis de la Russie, peut-être demain des États-Unis, car la pire des choses serait que cette crise en Ukraine nous oblige à passer d'une dépendance gazière, pétrolière et ne jamais oublier également le charbon, à une nouvelle dépendance du pétrole et du gaz de schiste produit par un autre producteur, en l'occurrence les États-Unis. Troisième élément, nous sommes tous dépendant d'un certain nombre d'externalités que nous avons fait par rapport à un autre acteur que nous ne citons pas, puisque nous parlons là de la crise en Ukraine, c'est évidemment la Chine. Et de ce point de vue-là, nous avons là un élément convergent, une convergence stratégique à mettre en exergue. Alors si j'avais une proposition à faire, c'est tout simplement d'être cohérent à partir du moment où ce qui se passe en Ukraine est mis en jeu ou révèle un certain nombre d'universalités de nos valeurs. Déclaration universelle des droits de l'homme de 1949. Évidemment, la charte de San Francisco, la souveraineté des États, l'intégrité territoriale, le strict respect, évidemment, de cette charte des Nations Unies qui fait que l'ONU a été créée pour essayer de prévenir et de résoudre des conflits. Merci, Emmanuel. Dernier point. Qu'adviendra-t-il quand le vote. Merci. Quand le vote. À l'ONU demandera de sanctionner une invasion, qui je crois va advenir, à Taïwan, sachant que 53 désormais pays soutiennent la République populaire de Chine. J'espère. On en discutera d'ici pas. Là. Non, mais c'est très fait. Important parce que c'est vraiment très structurant de ce qui s'est passé. Merci, Emmanuel. Sorry. Well, let me remind you some statistics. For some extent, they are sort of recommendation. Before the pandemic, the European Union had more than $250 billion in foreign investment in Africa, much more than US, $48 billion, and China, $43 billion. Trade between European Union and the continent was $269 billion. Double than China and five times more than the United States. Russia is far distant, but of course the Russians, they are selling a lot of weapons to Africa. Between 2017 and 21, the Russian were the 44% of the weapon purchase in the continent. I do not believe the war in Ukraine will change those statistics. The European strategy for Africa is still in place and with its pillars of partnership. Energy, possibly, of course, green. Digital transformation, sustainable growth and jobs, peace, security and governance, migration and mobility.
Of course, we have a tendency to patronize. It's part of our, unfortunately, it's part of our history as Europeans. We patronize also each other, as you have seen right now. But the main issue at the moment is not Ukraine. The main issue for the Africa is for Africa is how we Europeans will implement this strategy with our money, providing the necessary investment. And the main issue for Europe is the quality of governments the African leaders needs to provide, plus, of course, the migration. And let me just finish regarding the final result of the Italian elections. I have one more reason to define myself an European citizen born in Italy. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Ciambelli. And thank you for respecting the timing as well. Jawad Kardoudi, 2 minutes 30, professeur. Moi, merci beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas attendre la fin de la guerre avant de faire des recommandations et de faire des recommandations qui sont... Oui, non, rapprochez-le davantage. Oui, non, mais il est allumé. Vous m'entendez ? Oui, là voilà. Mieux. Alors, première recommandation, la démocratie. Moi, je suis contre ceux qui disent dans certains pays, on ne peut pas faire la démocratie à cause des coutumes, à cause, etc. La démocratie est une valeur universelle. Et il y en a marre. Au Mali, 5 coups d'État depuis l'indépendance. On passe de colonel à capitaine. Peut-être il y aura des coups d'État avec des adjudants, peut-être, ou par des simples soldats. Je pense que cette question est essentielle et il faut, moi en tant qu'Africain et nous tous les Africains, nous devons nous battre pour installer effectivement des élections libres et transparentes et non pas que chaque président, une fois qu'il a terminé son mandat, change la constitution pour un nouveau mandat. Ça, c'est très important. Il y a aussi les leçons qu'on doit avoir après le Covid-19 et la guerre d'Ukraine. C'est l'importance de l'agriculture. Il faut absolument, en Afrique, revoir tout notre modèle agricole pour ne pas peut-être atteindre l'autosuffisance, mais pour ne pas, en tout cas, mourir de faim comme... il en était question il y a quelques mois. L'autre recommandation, c'est le développement industriel. L'Afrique ne pourra jamais devenir une économie solide sans le développement industriel et notamment la valorisation des matières premières. Et on a marre aussi d'exporter des matières premières et la valeur ajoutée reste en Europe. Les contrats, je sais que c'est un terme qu'on utilise souvent, les contrats gagnants-gagnants. Et c'est vrai, par exemple, dans le cas du Maroc, les contrats qui sont faits avec les Africains, c'est toujours gagnant-gagnant. Et il faudrait aussi que les contrats entre l'Europe et l'Afrique soient gagnants-gagnants. Et enfin, le développement du capital humain. Rien ne pourra se faire sans le capital humain. Absolument. Merci. Merci, professeur Kardoudi. Valorisation des ressources naturelles, mais aussi des compétences humaines. Sarah, oui. À vous. Merci, Radija. Je vais essayer d'être très brève et je vais un peu zapper quelques recommandations et me concentrer sur des recommandations qui concernent la question de la migration. Le continent européen, aujourd'hui, on le voit tous, devient de plus en plus hostile aux migrants, notamment africains. La montée des extrêmes dans différents pays européens, l'Italie, la Suède, peut-être bientôt la France, en est la preuve. Une réinvention, et je rejoins Monsieur Flau dans ce qu'il a dit tout à l'heure, une réinvention de la relation Afrique-Europe ne peut se faire sans que la question migratoire ne soit abordée sérieusement et résolue. Cela passe
d'abord par une politique migratoire, on en parle depuis très longtemps, mais malheureusement on voit que la politique migratoire est surtout concentrée sur le volet sécuritaire. Et quand on dit volet sécuritaire, cela veut dire la surveillance des frontières, alors qu'on n'est pas contre une politique migratoire sécuritaire, mais s'il s'agit d'une sécurité du migrant, c'est-à-dire une politique migratoire sécuritaire qui tourne autour de la sécurité du migrant. Cela passe aussi par une gestion des frontières équitable. Donc il faut que certains pays européens arrêtent de vouloir absolument externaliser leur gestion des flux migratoires à travers les pays de transit, ou du moins quand cette gestion est faite à travers les pays de transit, que ce soit dans une logique de coopération d'égal à égal. Et puis j'appelle aussi à une condamnation de ce que je pourrais appeler la migrantphobie, comme on condamne l'homophobie ou la xénophobie ou l'antisémitisme, et de rétablir les vérités concernant la migration, puisque aujourd'hui la migration dans les médias européens est diabolisée, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde est effrayant. Il y a vraiment une normalisation de la parole raciste et anti-migrants. Et il faut rétablir certaines vérités quand même, et je tiens à le faire aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que 80% de la migration africaine se passe à l'intérieur du continent africain. 20% de la migration africaine seulement est dirigée vers le reste du monde, pas seulement en Europe. 90% de ces 20% est une migration régulière. Ce sont des migrants qui partent dans des situations régulières. 10% est une migration irrégulière éparpillée à travers le monde. L'Europe est concernée seulement par 0,5% de migration africaine irrégulière. Donc il faut arrêter de mentir à l'opinion publique et instrumentaliser la migration pour avoir des voix. Merci beaucoup. Absolument, merci. Merci. Olivier Guitta. Floor is yours. You have 2:30. Thank you. So thanks, Khadija. I'm going to take 30 seconds of my time to say that it's beyond delusional to blame the U.S. for the war in Ukraine. The war in Ukraine will stop when Russia withdraws from Ukraine. Having said that, I'm going to focus just on two ideas that could be looked at in terms of solution. Nobody has spoken about Spain. Does anyone know that since February, Spain had made extremely official that Africa was going to become their priority in foreign policy? Spain is doing a lot of work on lobbying the EU and NATO for support to address migration issue from Africa, but also to address a closer security partnership with Africa and closer alliance between NATO and Africa, through the example of Mauritania. The second point that I want to mention is the pipeline projects. Because yes, Europe does need Africa for energy, and Africa should use that as a pressure point. So the EU is looking to double its imports of gas from Nigeria in the next 5 years. Obviously, there are two competing projects of pipelines. Nigeria has signed two memorandum of understanding, one with Morocco and one with Algeria. We don't know which one is going to be picked. Obviously, the one from Morocco has more traction, is safer because it doesn't travel through areas where jihadists are present. But what's extremely interesting is that the Europeans are shooting themselves in the foot, because when it comes to looking at financing the project, for now, Europe has not really pushed and said that they would do it. But one country has said they're extremely interested by financing the project. Who do you think that is? That is Russia. So I'll finish on this and say, look, there are opportunities, but open your eyes. Thank you. Thanks. Thanks, Olivier. Nabil. Comme dit le proverbe, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où aller. Alors c'est vrai qu'on peut toujours dire que ce qui se passe en Afrique, c'est la faute de l'Europe, mais c'est faux. Okay. Aujourd'hui, il y a un vent favorable au développement en Afrique. Ce qui se passe en Europe peut constituer d'immenses avantages pour l'Afrique. Mais est-ce que l'Afrique est prête?
en termes d'infrastructure, en termes de gouvernance, en termes de qualité du capital humain. Aujourd'hui, beaucoup de grands pays européens chercheraient à sortir ou à éviter les zones de conflit en transposant une partie de leur outil productif en Afrique. Mais quand ils viennent en Afrique, qu'est-ce qu'ils trouvent ? D'abord, un retard technologique considérable, un retard en matière d'infrastructure considérable et un retard en matière de gouvernance qui est considérable, sans ajouter toutes les tares en matière de capital humain. Et donc, du coup, ce sont des milliards de dollars d'opportunités qui échappent à l'Afrique. Les Européens investissent beaucoup plus facilement en Asie qu'en Afrique, sachant que l'Afrique est juste à côté. Mais ça, ce n'est pas la faute aux Européens. Ça, c'est la faute à nous, Africains, qui n'avons pas su développer suffisamment nos infrastructures, notre gouvernance. Vous avez la corruption. Hein ? Ben, que l'Afrique d'abord commence par balayer devant sa porte. Il ne faut pas, à chaque fois qu'on a un problème, on le remette sur il y a un siècle d'histoire. Aujourd'hui, les gouvernants africains, la population africaine doit avoir un plan de mise à niveau des infrastructures. Ça, c'est très, très important. Un plan de lutte sans merci contre la corruption et l'installation de la bonne gouvernance. Ça, c'est très, très important. Et un plan de développement du capital humain qui soit au moins à même de profiter des opportunités d'investissement qui s'offrent ailleurs. Maintenant, quand l'Europe aura en face d'elle un continent qui commence à parler un langage d'affaires et d'intérêts plutôt qu'un langage de victimisation, je pense que les choses iront beaucoup plus rapidement. Merci, Nabil Adel. Yousra Abou Rabi, j'ai vu que vous avez levé la main tout à l'heure, c'était pour rebondir peut-être. Oui, mais du coup, maintenant j'ai l'occasion. Allez-y. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je suis allée plus vite qu'une minute et maintenant je vais prendre mes 2 minutes 30. Pour revenir sur tout ce qui a été dit, l'un des enjeux de cette relation, c'est le African Agency et donc la capacité d'autonomie et la capacité d'action de l'Afrique pour mieux se placer dans ce type de négociation internationale. Et j'aurais 3 recommandations par rapport à cela. La première, c'est de revoir la façon dont on s'auto-évalue. Tout à l'heure, l'un des participants a dit, nous, en Europe, peut-être qu'on se voit mal dans le cadre de notre présence en Afrique, alors même que les chiffres montrent le contraire. Et parfois, on s'auto-évalue en diminuant. Et c'est ce que vous avez souligné, Khadija Hassan, quand vous avez relevé l'ensemble des termes qui ont été dits ici, qui relèvent de l'afro-pessimisme et qui montrent qu'on a une mauvaise image de ce que nous sommes. Et l'une des raisons à cela est liée aux critères d'évaluation. Et c'est pour ça que je ne suis pas totalement d'accord avec vous, monsieur Adel, par rapport aux critères de croissance. Les critères de croissance, ça peut être un critère tout à fait correct, mais c'est en reprenant constamment les critères des autres, nous ne sommes pas en position de trouver des critères qui permettent véritablement de voir toutes nos réalités. Et donc, la première recommandation, c'est de reprendre le dessus sur les normes d'évaluation des politiques publiques en Afrique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pour renforcer l'autonomie, c'est de passer par un certain nombre de politiques publiques effectives, et notamment, ça a été souligné par M. Khardoudi tout à l'heure, la souveraineté alimentaire, puisque c'est l'un des principaux enjeux de cette relation Afrique-Europe, c'est l'un des principales conséquences de la crise en Ukraine, c'est la souveraineté alimentaire. Et celle-ci est aujourd'hui pas suffisamment discutée dans les négociations climatiques, elle n'est pas suffisamment discutée dans les politiques publiques comme objectif durable. Il faut revoir nos capacités à être autonomes sur le plan de nos agricultures durables, penser à l'agroécologie, penser à d'autres solutions alternatives et pas simplement reprendre, plaquer des modèles qui épuisent nos ressources et qui renforcent notre dépendance par rapport à l'importation des semences, par rapport aux industries, aux firmes multinationales, par rapport à des critères de rattrapage, etc., etc. Troisième et dernière chose, et j'arrive presque aux 2 minutes 30, c'est que pour pouvoir avoir un partenariat, il faut donner les moyens aux institutions qui représentent ce partenariat. Et dans le cadre de Afrique-Europe, c'est l'Union africaine. Donc, nous devons également donner plus de financement à l'Union africaine pour qu'elle puisse nous représenter. Si nous ne sommes pas prêts à cela, nous ne pouvons pas parler de partenariat Afrique-Europe, nous pouvons parler de plusieurs partenariats bilatéraux. Mais nous parlons bien à l'Union européenne, donc il faudrait bien que l'on puisse envisager nos négociations en tant qu'ensemble, et ça passe logiquement par cela. Je vous remercie. Merci, Yousra. Bakary Samb.
Merci beaucoup. Je suis ravi de comprendre de cette table ronde que finalement, Européens comme Africains, nous comprenons le sens de ce proverbe sénégalais qui dit que ceux qui ne peuvent pas se séparer n'ont qu'à aller ensemble. Partant de là, je crois que il faudrait d'abord que les solutions ne soient pas imposées, mais co-construites, avec saisissant la nouvelle dynamique qu'en Afrique, il y a une nouvelle génération, il y a un nouveau mindset qui est là et qui demande à être reconnu comme tel. La deuxième chose, c'est qu'ensemble, que nous redonnions à des termes comme la démocratie et l'état de droit un sens. Je ne doute pas de l'universalité des droits humains. On peut discuter des différentes déclinaisons de la démocratie, mais je suis sûr que la démocratie, les droits humains, ce sont des choses universelles que nous partageons. Certainement, leur déclinaison ces dernières années nous avait un peu déçus. On nous avait parlé d'une recette miracle, c'est-à-dire démocratiser, libéraliser vos marchés. Le développement et la paix vont suivre. 20 ans plus tard, ni le développement ni la paix ne sont là. Donc, on a le droit d'hésiter. On a le droit d'hésiter. Et dans cette hésitation-là, ce qui me rend optimiste, c'est que je suis sûr que nous devons essayer aussi de ne pas transmettre aux nouvelles générations nos traumatismes partagés. Et je crois que cette nouvelle génération africaine décomplexée devra nécessairement aller, qui veut aller à la reconquête du monde, pourra parfaitement composer avec une nouvelle génération européenne vierge du passé colonial et qui peut changer de mindset. Je vous remercie. La deuxième coup de pression pour que je finisse dans 2 minutes, mais c'était bien calculé et il reste une seule intervention de 2 minutes 30. Tariq Malki. Je vais essayer de clôturer le bal. Je vais essayer de, parce que j'ai mangé mon temps de parole tout à l'heure, donc je vais essayer d'être rapide. Donc moi, je proposerai en fait 2 niveaux de recommandations. D'abord, le niveau macro, par rapport donc au partenariat stratégique en lui-même, c'est-à-dire comment le faire vivre. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de prérequis, un certain nombre de conditions, au-delà même d'aller regarder au niveau donc du financement des 150 milliards. Bon, bien évidemment, c'est des projets qui tendent à financer la transition écologique, énergétique, numérique. Donc tout ça, c'est très bien. Et je pense que l'Afrique, demain, peut être un gisement de croissance dans les secteurs que je citais tout à l'heure, l'agriculture, les infrastructures, pour vous donner juste une idée. Donc la Banque mondiale, je pense, a évalué les besoins en investissement en infrastructure en Afrique de 100 milliards dollars par an sur 2040-2050. Notamment dans l'énergie, l'eau et les transports. Donc, c'est vous dire un peu l'importance de la chose. Mais moi, j'aurais 3 points supplémentaires. Pour que cet accord réussisse, il faut d'abord que l'Union européenne finance de manière sérieuse les impacts du réchauffement climatique sur l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique, à mon sens, qui subit de plein fouet l'impact climatique, alors même qu'elle est responsable de la production d'uniquement 4% des GES. Et à ce titre, la COP27, qui va avoir lieu à Sharm el-Sheikh donc dans les jours qui viennent, il devrait, à mon avis, proposer un mécanisme de financement qui avait déjà été proposé dans la précédente COP, dont les besoins pour atténuer ce réchauffement climatique sont évalués à 10 milliards, à 100 milliards de dollars par an, alors que l'Afrique est financée à hauteur de 10 milliards seulement. Donc ça, c'est un point important. Deuxièmement, l'Afrique est sujette au fléau de la dette. Donc moi, j'appelle véritablement à un sursaut des pays occidentaux pour effacer la dette et le service de la dette, notamment pour les pays, les PMA, comme on dit. Troisièmement, donc ça a été rappelé par madame, par rapport donc à donner les moyens humains, financiers, pour aider l'Afrique à lutter contre l'émigration, mais en attaquant le mal à la racine, faire en sorte donc que les populations africaines, notamment les plus jeunes, restent sur place. Et dernier point, moi je considère que le Maroc, de par son positionnement stratégique, de par son histoire commune avec l'Afrique, de par son modèle de développement, de par sa stabilité, est appelé demain donc à jouer un rôle pivot pour justement faire vivre ce partenariat stratégique. Donc j'avais proposé des recommandations, mais bon, on va les laisser pour une prochaine fois. Et merci. Merci, Tariq Malki. Je respecte. Merci beaucoup. Je voulais faire un wrap-up. Je vais quand même prendre 1 minute supplémentaire. C'est juste pour rappeler encore une fois les mots de chaque intervention. Relations humaines, volonté de s'engager, respect mutuel. Déjà, on est plus positif que première partie. Révision politique des politiques de migration, des politiques de frontières, beaucoup d'Europe donc, et plusieurs Afriques. Il faut une cohérence dans les politiques publiques, succès d'intégration, plus de courage.
Les intérêts sont communs, il faut de plus de coopération, la mise en œuvre de ce qui a déjà été acté, la self-confidence ou avoir confiance en soi du côté des Africains, l'unité, la cohérence aussi du côté européen. La Chine, attention, convergence des stratégies par rapport à la Chine, paternalisation, démocratie, sécurité alimentaire et puis développement industriel, réinvention. Souveraineté, financement, co-construction, nouvelle génération. Voilà, donc c'est déjà beaucoup plus positif. Merci à tous d'avoir enrichi ce débat. J'ai eu beaucoup de joie et de plaisir d'animer. C'était pas facile. Merci.